Alors bon. Bien au fond. Moi bien. Merci les poulets. Nicolas, c'est un garçon que j'ai rencontré il y a un peu plus de 10 ans maintenant à Clermont, lorsque j'ai effectué une sensibilisation au handicap au sein de son établissement scolaire. Dans son lycée, je suis allé organiser une sensibilisation par le biais du rugby fauteuil avec ses coéquipiers et ses camarades de classe. Et Nicolas, en fait, était un étudiant lambda avec son fauteuil roulant, bien intégré dans sa classe et qui a participé finalement à cette, comme il ne pouvait pas le faire auparavant, à une activité physique et sportive avec ses camarades. Donc ça a été quelque chose qui lui a beaucoup plu. De là, on s'est liés d'amitié, on a commencé à travailler ensemble sur différents projets associatifs et autres. Et Nicolas, en fait, je l'ai vu se transformer, tout ce qu'il a aujourd'hui, en fait, et tout ce qu'il fait aujourd'hui et pourquoi il a cette place aujourd'hui dans l'équipe de France, c'est je dirais, le résultat de son travail qu'il a fourni depuis maintenant 10 ans. Maintenant, on se connaît par cœur. Donc souvent, on échange beaucoup après, savoir voilà, si, ce qu'il faut faire, pas faire, ce qui a été bien, moins bien. Moi, je suis un joueur qui est plutôt réservé, on va dire, dans le groupe. Il a su aussi m'aider à m'intégrer dans le groupe. On voit qu'on a encore des petits détails, des petites choses qu'il faut qu'on travaille. Mais sur l'état d'esprit, sur ce que l'on produit sur le terrain, on est dans le vrai. On va continuer à travailler. On a encore un peu de temps pour le faire. On va profiter de ce temps au maximum, mais persuadé que là, on est dans le vrai. Mélange d'anciens, de nouveaux, donc la fraîcheur des nouveaux, on va dire l'expérience et la maîtrise des anciens, c'est un peu cette alchimie qu'on essaye d'avoir pour que, voilà, ensemble, encore une fois, on atteigne nos objectifs. Aujourd'hui, le sélectionneur, il a en France une vingtaine, voire une trentaine de joueurs qui prétendent et qui souhaitent postuler à cette équipe de France. Et forcément, en fait, cette concurrence, elle te permet d'apporter une plus-value, parce que si tu veux toujours avoir ta place dans cette sélection, tu vas être obligé de te surpasser en permanence. Et je pense que cette concurrence qui est saine entre nous, à la fois dans le groupe, mais également sur les joueurs qui gravitent autour du groupe, elle nous permet d'être plus performants individuellement. Et c'est vraiment la grosse différence, je pense, avec les deux premières Paralympiades qu'on a vécues. C'est la qualité, en fait, des 12, voire des 14, en fait, personnes qui sont là présentes sur ce stage et qui nous ont permis de franchir un cap. C'est vrai qu'au début, quand on arrive dans ce groupe, ça peut un peu impressionner, quoi, parce qu'il y a des joueurs qui ont plusieurs paralympiques à leur actif. Voilà, il y a des joueurs qui étaient sportifs de haut niveau avant en tant que valides. Mais voilà, maintenant que je suis bien intégré, voilà, ils m'ont partagé plein de souvenirs aussi des Jeux paralympiques. Je vois le niveau de jeu qu'il peut y avoir sur des Jeux paralympiques, parce que j'ai suivi quand même Londres et Rio. Forcément, d'évoluer avec un groupe comme ça, avec on va dire des expérimentés puis des nouveaux qui sont rentrés quasiment en même temps que moi en équipe de France. Donc du coup, on a progressé ensemble. Nicolas, je pense qu'il a encore aujourd'hui une très grosse marge de progression. Et en tant que jeune rookie de cette équipe de France, et j'en suis très fier aussi en tout cas qu'il fait partie de cette aventure, je me vois indirectement plus jeune aussi. Très insouciant, mais aussi à la recherche de conquêtes, de vouloir vraiment faire la meilleure des façons et vraiment très bien faire. On fait étape par étape, maintenant on a stabilisé ce truc, et ben on va plus loin, on fait l'étape d'après. Parce que ce que tu nous fais là, c'est juste parfait, on voit que ça marche très bien, c'est vraiment des très bonnes choses. Mais très bonnes, c'est pas suffisant. Quand j'ai le ballon, il faut que je puisse le conserver, bien lever la tête pour savoir si je dois faire une passe, si je dois garder le ballon, si je dois avancer. Voilà, donc ça c'est un des gros points que j'essaie de travailler. Et après, le jeu sans ballon, c'est-à-dire est-ce que je fais un bloc pour un coéquipier ou est-ce que je m'écarte pour proposer une solution de passe. Ça, il faut que je prenne la décision assez rapidement dans le jeu.
Et du coup, il faut que je fasse le bon choix au bon moment. Il faut qu'il parte très vite. Même si c'est le numéro 1, si moi je le prends, tu vois. Ferme. Parfait les gars, excellent. Reset, on repart, on redémarre. Excellent. Déjà en tant que sportif de niveau, Adrien c'est quelqu'un qui lâche pas, qui a le souci du détail, donc qui veut toujours faire mieux en fait, il est perfectionniste. Quand j'ai commencé le rugby fauteuil, il s'entraînait déjà comme un fou. Moi, j'étais pas vraiment sportif à la base. Et du coup, il m'a donné cette envie-là de me surpasser. Les quatre joueurs bloquent les deux gros, très bas. C'est une grande force. Moi, je l'appellerais comme le très grand sage aussi, un petit peu, de cette équipe de France. J'ai un énorme respect parce que ça a été aussi mon capitaine. J'ai grandi avec lui. C'est lui qui m'a tout donné. Et parmi tous les autres joueurs d'expérience, il a un caractère incomparable, vraiment unique pour le collectif. Et pour lui aussi, il apporte une certaine sérénité de jeu. Je pense que l'approche avec l'expérience de ces deux premières Paralympiades est complètement différente. J'arrive avec beaucoup plus de certitude, beaucoup moins de questions. J'ai vécu en fait déjà ces deux Paralympiades qui m'ont permis d'appréhender l'événement. Et puis je pense l'expérience terrain qui fait que j'ai plus la fougue de mes 20 ans, mais voilà, je compense par mon placement et toute cette expérience que j'ai acquise depuis maintenant 13 ans. On va travailler surtout le confort de la position parce que c'est des sportifs mais ils ont aussi leur patho. Et après, une fois qu'on maîtrise bien la pathologie dans la mise en place du soin, après il y a les particularités liées au sport. Voilà, je sais les points de faiblesse de John. Comme en plus je suis vraiment fan de ce sport-là, je vois bien en fonction de l'intensité de l'entraînement, je sais déjà ce que je vais devoir peut-être un peu plus travailler si jamais il est tombé. La plupart des joueurs que j'ai vus ce soir, c'est du massage de récup avec de la parlothérapie. On vient discuter, on vient raconter sa journée, on se sent bien, ils rigolent, on écoute de la musique et ils vont au lit, quoi. Le matin, je retourne vérifier la pression des pneus, voir si tout est en ordre, quoi. Essayer de tenir le mieux possible les fauteuils, l'entretien complet, quoi. Allez, 2-3 poussées, on bloque les roues, on se retourne. Mon discours, c'est de s'appliquer, d'avoir de la bonne communication, pour avoir des bons repères entre eux. Voilà, après, moi, c'est surtout là sur les échauffements, et pour qu'ils se trouvent après sur le terrain, qu'ils soient bien préparés. Et là, ça fait maintenant depuis un peu plus d'un an, depuis la qualification, donc ils travaillent ensemble. On sent que le groupe a vraiment envie de travailler, que ce soit les 12 qui sont sélectionnés, plus les 2 qui viennent pour les entraînements. Enfin, voilà, ils vont tous sur le même chemin, et puis donc... Ça travaille dur, puis voilà, c'est un collectif qui vit très bien. J'ai connu la première équipe de France, la première génération, où j'étais le jeune, le tout jeune, qui avait 20 ans, 21 ans. Et aujourd'hui, l'écart qu'il y a entre les nations qui sont juste devant nous et nous-mêmes n'a jamais été autant infime. Et cette génération qui est arrivée et qui a pu
s'enrichir finalement de nos retours d'expérience, eh ben, elle n'a pas eu ce temps là de 4-5 ans où il faut s'adapter à un nouveau fauteuil. Non, elle a tout de suite pu se mettre en condition idéale pour pouvoir performer au rugby fauteuil et du coup se concentrer directement par les petits conseils qu'on a pu leur donner. Cette génération a gagné un temps fou et Nicolas fait partie de cette génération qui nous a apporté cette plus-value parce que voilà, en l'espace de 5 ans, ils ont franchi des étapes et ils performent comme nous on l'a fait au bout de 10 ans parce que on partait de zéro et qu'on n'avait personne pour nous dire comment faire. Là c'est compliqué. Non, avec beaucoup. Imagine, ouais. Il y a du coup à sa place, c'est tout aussi. Oui. Vous allez vous repérer ou promis, j'appelle pas. À un moment donné, tu vas devoir te mettre en rouge de toute façon. Tu crois ? Vous pouvez là les rouges, et c'est le but, poser des gros problèmes aux bleus et qu'on travaille. C'est ça le but. On est aujourd'hui numéro 6 au monde. Sur le papier, on n'est pas du tout favori. On devrait pas y arriver. Mais on est français, on aime bien déjouer un peu les pronostics. Et on a en tout cas hyper confiance. On se dit, allez, je pense que c'est possible. La principale force, je pense qu'on est des lâches-rien. On est des guerriers sur le terrain. Quoi qu'il en soit, qu'on soit devant, derrière, on a vraiment un état d'esprit incroyable. Rien que ça. C'est tout l'âme et toutes les valeurs que moi, à titre individuel, je comporte, mais aussi que tout le groupe transpire quand il joue, en tout cas. On a un obstacle avec le but en fait c'est de passer par-dessus. Donc entre guillemets c'est pour simuler qu'il y a des adversaires qui sont entre nous et donc on doit passer par-dessus. On est maintenant à un mois des jeux. Là c'est simplement travailler notre technique individuelle, des passes, pour que justement les automatismes qui peuvent se créer lors de ces petites dernières sessions nous apportent une plus-value lors des matchs à Tokyo. On est je pense avec Nico des travailleurs de l'ombre. Des joueurs qui permettent justement à nos joueurs poste 1 et 2 qui ont moins d'handicap de faciliter le travail et d'essayer d'aller marquer plus facilement les essais grâce à nos actions. Que ça soit la plupart du temps sans ballon, justement bah, pour soit créer des blocs, soit pour faire des appels qui permettent de créer de l'espace et d'écarter la défense ou du moins d'être une solution de passe pour justement pouvoir scorer quand nos postes 1 et 2 ne peuvent pas le faire. Je pense avoir passé un cap sur plusieurs aspects, notamment celui où quand je reçois le ballon, gérer la pression des adversaires, c'est-à-dire les impacts. Parce que souvent, voilà, quand je vais avoir le ballon, je vais avoir beaucoup de pression sur moi, justement pour me forcer à faire des erreurs. Je gère mieux maintenant le fait de temporiser et de redonner la balle à mon coéquipier. Et aussi sur le fait de prendre la bonne décision au bon moment. C'est vraiment quelque chose qui doit être décidé en une seconde et ça, je pense que j'ai progressé là-dessus aussi. Étant donné qu'on met un score, ça nous permet d'avoir des lancers un peu avec plus de pression. Si jamais on loupe, on peut perdre le jeu. Et ça rajoute un petit défi entre nous deux, c'est sympa. Tu vois, c'est ça en fait. Le jeu, c'est ça, c'est de te mettre la pression et de te faire chier des lancers. Allez, on va voir comment on va faire pour Nico. Là, voilà, si c'était la remise de la médaille d'or. Là, j'ai 3 points. Ça, c'est le petit bras, Nico. On est sérieux quand on travaille, mais à côté, on rigole tellement que voilà, c'est un plaisir fou. Et puis, un événement comme ça, j'en ai jamais vécu pour l'instant. Voilà, je suis plutôt serein pour l'instant. Je me sens vraiment très confiant à la fois au collectif, à la fois en moi. Voilà, je pense que j'ai tout donné, je pense que je suis arrivé au maximum de mon potentiel. Bien sûr, il faut se remettre en question en permanence. Toujours travailler ce que j'ai acquis. Je pense ne pas pouvoir gagner plus que ce que j'ai maintenant. Donc c'est répéter mes gammes, surtout sur des passes, être de plus en plus serein sur les passes, continuer à avoir cette précision et ça passe par des répétitions que l'on fait justement avec ces séances de technique individuelle avec Nico. Au début, je pensais pas faire de la compétition, puis au final, je suis en équipe de France. Et voilà, c'est des moments que j'aurais peut-être pas vécu si j'avais pas fait de sport, des voyages, des choses comme ça.
position. Tais-toi, là, tu vas bien qu'on est... Allez. Ah, vous êtes filmé, hein.